Il y a des moments dans la vie où en une fraction de seconde, quelque chose nous arrive par hasard quand on s'y attend le moins. Alors, on prend un chemin auquel nous n'avions jamais pensé, vers un futur que nous n'avions jamais imaginé. Où cela nous mènera-t-il? Là où un autre avenir nous attendra, en fonction de nos actions. Nous recherchons tous la lumière. Mais malgré nous, pour l'atteindre, il faut parfois affronter l'obscurité. J'ai parcouru le monde en quête de rencontres, de sites sacrés et de lieux porteurs d'une énergie particulière. Et j'ai donc réalisé mon rêve en voyageant aux quatre coins de la Terre. J'ai aussi exploré mon paysage intérieur et me suis formée aux médecines d'ailleurs et à diverses pratiques avant de monter des voyages bien-être et initiatiques sous la marque Aura Voyage, qui veut dire en maori « monde de lumière ». Depuis 2018, en constante réflexion sur les questions environnementales, j'avais en tête un concept de réalité virtuelle qui permettrait de voyager autrement. Puis un jour de mars 2020, où l'on nous a privés de la beauté du monde, j'ai commencé à me poser un tas de questions. Et si ce confinement perdurait? Et si l'on ne pouvait plus voyager comme avant? Comment pouvoir encore ressentir les bienfaits de la nature et des lieux? Comment continuer de transmettre ce que l'on m'a enseigné à travers le monde? Comment continuer de faire voyager nos clients en quête de sens, tout en essayant à la fois de préserver la planète, la nature et les animaux? D'une question à une autre, j'ai commencé à vraiment comprendre la chance que j'avais eue de voyager autant. Cela devenait vital. Il me fallait mettre en place ce concept qui me permettrait de faire voyager ceux qui ne pouvaient pas ou plus se déplacer et qui me permettrait de donner accès à tous à ces lieux et à ces enseignements que j'ai moi-même reçus. Alors, l'idée d'élaborer ce projet novateur de voyage initiatique en réalité virtuelle me venue à nouveau à l'esprit avec l'apparition de cette pandémie mondiale qui allait indéniablement mettre la planète en pause. Il me fallait trouver une marque, tout en gardant le mot Aura. Et Mana, qui veut dire force spirituelle de la Terre, m'a paru comme une évidence. Et pour finaliser ce concept, il fallait que je m'entoure de partenaires authentiques, ainsi que d'un réalisateur sensible et à la pointe de nouvelles technologies. Au-delà de ces voyages vers soi en réalité virtuelle, notre objectif, avec mes partenaires, est donc de vous permettre de vous émerveiller au cœur des plus beaux lieux du monde et des sites sacrés, afin d'y découvrir pratiques de bien-être et expériences immersives initiatiques d'une manière totalement inédite. Bien sûr, mon souhait, dès que cela sera à nouveau possible, est également de continuer de faire voyager nos clients en quête de sens et de bien-être chez Aura Voyage. Merci à mon partenaire Lavine, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Merci à mes intervenants, sur les premiers à croire en ce projet novateur, et bienvenue sur Aura Mana.